ainsi. Mesdames, messieurs, je ne vous ferai pas ici la biographie de mon grand-père. La plupart des personnes présentes aujourd'hui le connaissent. Et ils se souviendront d'un homme heureux, honnête, calme, généreux et studieux. Pour nous, ces petits-enfants dont je me fais la porte-parole à cet instant, avons toujours eu une grande admiration pour notre pépé, notre grand-père d'amour. Cet homme qui s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Il a toujours été présent pour sa famille. Et nous, ses petits-enfants, avions reçu tellement d'amour et d'attention qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans lui. Et pourtant, notre pépé Maté n'est plus là. Je me souviendrai à jamais de ses bons moments. De temps quand nous passions autour de lui avec mes cousins, mes oncles, mes tantes dans la maison familiale. Sa tendance a toujours organisé des moments de retrouvailles en famille, lors des fêtes de Noël, de Pâques et autres. Avec sa joie débordante, son sens de l'humour, sa passion pour la musique et surtout la danse, et ses talents d'orateur et de conseiller ne sont pas en reste. La plupart du temps, il aimait bien donner des conseils et aborder des détails et des débats avec mes oncles et ceux qui le visitaient à la maison. Il avait presque toujours quelque chose à dire. Il aimait se référer au passage biblique pour conseiller et parler aux autres. Je n'oublierai jamais cette passion de la lecture qu'il avait. Sa franchise, son sens de l'honneur et de l'intégrité nous manqueront. Je souhaite remercier grand-papa d'amour pour nous avoir légué une bonne éducation et le sens de la dignité. C'est en grande partie grâce à toi que nous sommes ce que nous sommes et que nous continuerons à nous battre pour des causes justes, que nous continuerons à nous réunir et à nous entraider et à soutenir Grande Mère Bénédicte Dorcas, que tu nous as laissé, que tu nous laisses. Comme tu vas nous manquer, grand-papa, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as été un modèle, un héros, et tu le resteras. Notre Seigneur nous a promis la résurrection, et dans pas longtemps, nous nous reverrons. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Nous t'avons aimé, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Merci grand-papa d'amour, que le Seigneur t'accorde un doux repos auprès de lui. Adieu grand-papa.